Hop, hop. C'est lui que j'étais en train d'enculer au début, c'est ça le pire. Pourquoi c'est la pute qui revient? Avec son monture de salope. Tu peux rien faire. Bon, Yahoo, je vais jouer, je vais jouer. I swear I just saw my little sister Lucy. My mind must be playing tricks on me. Bon, moi je vais jouer. Tu peux jouer héros quand tu veux. Moi je fais un heal. Donc, je vais essayer Hazel Khaba. Enfin, il aime faire prendre des piques. Très mauvaise combo. Alors, attends, je vais suivre. Je vais jouer Adam. Tu vas te faire massacrer. Hein. Je vais jouer alors mon. Now, where did that trouble spring? Ready to serve. I believe this. Ready to serve. Malheureusement mes fréquentations c'est que des Algériens, les Hapok ils sont pas en mode tu devrais essayer de balader que tu vas attendre. Non, pas, ne prends pas ce perso, t'es une merde avec ce perso. C'est une mentalité où tu dois te battre tous les jours, la mentalité t'abdel. Tu dois te battre, Damon, avec ce que je te dis. Mais n'essaye pas ce personnage, Yaku, tu vas tirer un stand. Voilà, j'ai pris, hop. Super, t'es content. Je suis super content, je vole. T'es pas... hein. Je vais te calquer comme ça, je vais te calquer comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Lec, hein. Je te calque, hein. Ah, c'est dans le 6, c'est dans le 6. Regarde des vidéos. Avec un knack de la Morgana. Et on y va. Et on y va pour le push. Après, en termes de split, il y a que Jace qui peut vraiment split. Mais si Jace, ils ont envie de l'avoir au mid, donc en termes de split, ils sont pas incroyables. Ouais. Lec, hein, où je te dis? T'as une aim misérable, regarde. Donc, c'est qu'à chaque fois tu me dis j'ai une aim misérable, Lec. Lec, là tu touches. Lec, je suis en train de te toucher, Lec. Lec. Je rigole. Lec, c'est simple de se concentrer que Fle esquive. C'est pas compliqué. Bon, dis-moi quand sauter. Vraiment, j'ai peur. Go, saute. Là ça va fight. Hein. Du body. Je suis en train de lui mettre des dégâts. Voilà, fais-lui des dégâts, gros. Parce qu'en général, il est trop. Allez, le but au but. Allez. Ils ont la même type que nous. Pas comme ça, gros. Allez, tiens. Il y a d'autres, une autre team. Ah, mais calme, on le fonce! Oh non, c'est bon, il est parti. Il tape autre chose. Ah, mais calme, Andy, il est bloqué, Oh, t'es idiot, je vais mourir! Putain, il comprend pas. C'est moi, je vais mourir, Allo. Tu meurs, Shafek. Tu veux que je dans la mêlée pour prendre des kills, gros? J'ai fait deux kills solo. C'est moi qui les ai tués. Deux kills solo. L'autre il était en train de loot pendant que j'enculais. Ouais, Hadi, il vient me dire un aïe. Écoute, tu es nul, arrête de go, gros. Tu comprends pas, toi? A chaque fois, je dois te reste, go quand même. Voilà, go. Lec, niveau 14, j'ai repris bulk du stuff niveau 14. Ah. Mais tu vas re-go encore dans la mêlée, c'est ça? T'es bien. Non, là il faut pas go dans la mêlée là. Double kill. Go, prends, suis-moi. Attends, ça va aller. Double kill. Suis-moi, on va prendre ça. Ah, y'a coffre légendaire! Comment tu sais? Hein, dans la minimap, je regarde que la minimap. Hein, viens. Ah oui. On saute ça. Vers où? Viens dessus, moi. Non, ici. Death vortex approaching. Yeah. Oh. C'est bugué. Ah, regarde, notre aventure. On va faire le tour. Il y avait des trucs intéressants. New event.
Kill. Killing spree. Ouais, je t'ai passé où? Ah, le portail. Ah, sûrement, t'as pris le même portail que le mien. Ok. Ah ouais. Y'a des gens ici, une team, hein? Balak. Ils sont passés, je les ai laissés passer. Allez, viens. Ils étaient trop haut niveau. Ils ont loot en haut, donc y'a plus rien en haut. Y'a peut-être un team fight qui se prépare ici vers le bas. On peut ramasser les restes, quoi? Il faut lui jump dessus tout de suite. Allez, tiens. Balak, Balak. Il va aller le raid, je pense. Nous pas ce coffre. Voilà. On se casse, je propose. Il se prend lui. Non, pourquoi tu me donnes la mêlée? Allez, yeah. Ah, t'es de gueule. On est dans la mêlée, Ouais, je me suis cassé. Yahoo, tu as utilisé un jump merde. Dessus, oh, j'ai vu. Non, j'ai pas de jump, je voulais les repousser. Je voulais les bait. Les repousser. Allez, hein. GG, les repousser. Allez, je suis en train d'apprendre le. Yahoo, je suis intéressé encore. C'est ridicule. Tu m'arrêtes déjà une fois, non, cette game. Non, pas cette game. On l'a racheté, Raz, t'es mort. Oh, quand même, on a fait 3 kills à chaque fois, on fait des kills. C'est juste. Là, on était pris en sandwich, gros. Ah ouais, là, je suis descendu bien bas à niveau 13. Ah, j'ai pas de gold, moi. Viens voler, Drad. Prends ça. On peut se déguiser en Théodore, on sait jamais. Ça va être marrant. Oh, go, au milieu de la zone, tout de suite. Anticipe. Ah! Ouais, il y a du goût, là. D'accord, je propose de râler chez ce marchand. Là, on a récupéré un peu plus d'argent. Si tu peux acheter. Hein. Yahoo, y'a un gars, il se fait que ce feed, hein, le même. Donc, partout à la frontière. Donc, on est dans la merde. Ouais. Allez, on fait la rotation par là, je propose. À niveau 15 et à niveau 29. Elle est bien partie cette game. Bah, déjà, ils sont déjà niveau 40. Ça. Le gars là qui tue tout le monde. Mais j'aime bien ce perso, ça va, il faut juste m'habituer un peu. Alors, si je me souviens bien, il y a un leap ici en haut. Go jouer safe. Go jouer là. Y'a rien en haut, y'a rien. On prend pas. Go ici défendre. Genre Yahoo, là c'est le. Il reste 13 quoi. On fait une embuscade, on prépare une embuscade. Embuscade. Reste là, on bouge pas, on attend vers la zone. J'entends. C'est quoi ce. T'entends pas? En plus toi t'attends multi là, t'es chaud. Ah, comme des salopes. Attends, je vais check s'il y a quelqu'un. Tu m'as laissé tout seul? Absolument. Ah. J'espère, on voit pas notre tête de tigre qui sort de l'autre côté. Fais pas ça. Reste comme ça. T'imagines? Ah oui, je suis sorti de la map pour une partie. Il y a un gars, il m'a donné, je suis sorti de la map. J'ai fait le tour de la map, je suis rentré. De l'autre côté. Yahoo, je vois le coffre légendaire là, il est où? On se déguise en tonneau pour le fun. Yahoo, pas tout de suite. Oula, pas encore. Oui, on attend la zone, la prochaine zone. On se met dans la dernière zone. Ah, il y a quelqu'un qui vient de mourir à côté de nous. Là, dans la croix rouge, tu vois? Tu peux voir. Ouais. Là, peut-être soit il monte. Si quelqu'un est mort, très bien. On fait un gros burst. Le burst, la zone, elle nous aide ou pas? Allez, la zone. Je suis sûr, elle va pas nous aider tout le temps dans la volonté de nuire. Allez. Vite,
prends le truc avec moi. Vas-y, go. Vas-y, go. Ça, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Ah, là, ici, ici. Je te suis, je te suis, je te suis, je te suis. Quoi? C'est pas grave, normalement. Quoi? Non, c'est bugué. Oh, on est mort. Non, 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 viens, 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 viens. On prend lui, là. Viens. Ah, ah, vas-y, vas-y, go. Non, non, c'est bugué. Oh putain, comment c'est bugué. Non. Oh, t'es arrivé là-bas. Moi non. Oh bah je suis... Ah non, non, attends, attends. Non, je suis mort, je suis mort. Héro, non, t'es pas mort, t'es mort. Ah non, attends. C'est bon, je m'en suis sorti. Je suis déjà en tonneau. Hein. Voilà, Héro. On se déguise, on se déguise. Moi, moi, une potion, pardon. Je suis déjà en tonneau, moi, regarde, tu vois pas, regarde. Oui, je te vois. Tu peux rester combien de temps en tonneau? Héro, mets-toi en tonneau, je crois que c'est fini. Non, mais pas à côté. Ah merde. Attends, je vais de l'autre côté. Là. Je crois. Tu te déplaces telle une merde. On est vraiment des merdes dans cette game. Écoute-moi, t'as un sort, il s'appelle tonneau. N'utilise pas. Et après ce sort-là, je te jure, tu roules vers un ennemi. Par contre, il faut que tu sois sûr de le toucher. Ok. Après, d'accord, avec l'espace. Oui, si tu ne touches pas, t'es mort. Yaro, genre, parce que tu vas rouler à l'infini. Yaro, si tu le touches, tu le stun, Yaro, ça peut le massacrer. Genre, s'il boit une potion. T'as vu le cercle, t'as vu le cercle, on se déplace. Chut, il y a 5 vivants. Ultime et. T'es là? On me déplace, hein. Déplace-toi, Antoine, on me déplace. The death vortex is incoming. Non, on est le seul. Ah, quoi? Quoi? Il est tout seul? Non. Comment sortir? S'il est tout seul, c'est... Comment sortir? Comment sortir? Attends, bouge pas, on est là, on est bon. Non, je suis pas d'accord, j'ai envie de sortir, attends, il est là. Et il est niveau combien? Je roule dessus, je roule dessus. Non, je me suis fait stun. Go, 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 go. Pas mal, pas mal. Je multi, mais j'ai raté. Je vois rien, je vois rien. J'arrive, j'arrive. Je l'ai décassé en ulti. Viens, 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 je te shield. Je te shield. Je vais le ulti encore. Oh, tu te le fais, là, non? Non, oh. Tu auras tout esquivé. Non, oh. T'es mort, t'es mort. J'aurais pas dû mourir, en fait. Attends. Quoi? Il arrêtait pas de me faire ça. Oui! 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 J'ai dit, Yaro, c'est ça les Algériens. Tu m'as pas fait confiance à ton propre oui. Teammate. T'as pas fait confiance, il était niveau 50. Oui, oui, oui. Yaro, j'ai fait les 75% des dégâts. Oula, regarde ta gueule. Yaro, j'ai qu'à last hit. J'ai fait tous les dégâts. Regarde numéro le score. On était en tonneau toute la game. Yaro, regarde ton score. Tu es minable. Yaro, je t'ai laissé en vie pendant je sais pas combien de minutes. Je t'ai resté deux fois dans cette game. Full life. Tu es mort, trois fois. Tu es mort. T'étais full life. Attends, attends, écoute. Tu es mort trois fois cette game. Ok? Ça aide. Deux fois. Trois fois. Meurs. Chafek. Plus ulti encore. Deux fois, menteur de merde. Deux Oxym, fois. Oxym, mais là, elle t'est mort trois fois. Je t'ai resté deux fois. Et t'es mort une troisième fois à la fin. T'es mort trois fois, Ro. Pour l'essentiel, on a gagné. Oh, coffre de victoire. Coffre de victoire. Heureusement que je l'ai qu'à rire. Épique. Ouais, j'ai eu que de la merde. En tout cas, moi, j'ai bien aimé mon perso. Je dois juste le jouer plus safe, mais sinon, pour les dégâts, ça va. Héro, t'es nul. Héro, déjà, t'es nul, là. Tu t'es la seule merde dans l'histoire. Héro, j'étais par terre, Ro. Switch, switch de perso, switch. Blar, Bear, je vais jouer avec. On a gagné avec et tu oses me dire Switch. Tu es la seule merde. Héro, tu étais... étais full life. Je... Tu Héro, étais full life. Tu es mort trois fois. Il avait exact. Il a... Lec, un mec, il avait les mêmes PV. Quand je suis mort,
pendant 5 minutes, il avait les mêmes PB. T'es mort. Raté tout tes skills. Tu es mort 3 fois. Tous tes skills, tu les raté. Tu es mort. Oui, je suis mort 3 fois, mais moi, Ulrich, je lui ai pété son cul. Mec, j'espère que tu rigoles. Hein. Il était, j'étais niveau 15. Alors, je fais donc ce petit enregistrement une année plus tard en regardant la vidéo et je me rends compte à quel point ce type est complètement fou. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je vous invite à revoir le fight, le dernier fight, à mettre en ralenti, voir les skill shots, l'utilisation de ses sorts, et ensuite de me dire qui est le fou. Est-ce que c'est moi, qui donc est le considère, qui, considérant qu'il n'a rien fait alors qu'il a fait beaucoup de choses, ou est-ce que c'est lui, ce fou, qui a inventé 75% des dégâts? Il est malade. Moi, je pencherai plus pour la deuxième partie. Pourquoi je vous demande de faire ça? Car c'est très important de l'humilier. Il faut l'humilier. C'est très important. Il faut toujours humilier les médiocres. Des gens qui inventent des dégâts, des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont inutiles, et tout ce genre de choses. Il faut les humilier. C'est très important. Donc, pour l'humiliation, faites-le, s'il vous plaît. Il était niveau 46. Tu fais aucun dégât. Avec les skills que j'ai esquivés de la part de Dulry. Mais tu faisais aucun dégât. Au lieu de me protéger, il m'aveuglait H24. Tu me protégeais Zebintaya, Bako, Gzebé, tu protégeais. Ton cul, dégâts. Tu le protégeais pas, ton cul. Tu n'as fait aucun dégât, oh. Je te jure, oh, remets-toi en question quand tu n'as gros rien. Gros dégâts fait. Que j'ai fait, je suis sûr que parmi tous, c'est moi qui ai fait le plus de dégâts. Tu n'as fait aucun dégât. Je te promets, tu es mort 3 fois. Oh, incroyable. Tu es mort 3 fois en cette game. Tu es une merde, tu sais. Tu es mort 3 fois. J'étais raise 2 fois et tu es mort à la fin. C'est la seule chose à laquelle tu as été utile. Mais peut-être pas. En tout cas, je ne l'espère pas. Outre le but de la vidéo premier qui était l'humiliation, bien évidemment, du bourrin, et espérer qu'il se sente mal dans sa peau une année après. J'espère qu'il souffre maintenant, s'il regarde cette vidéo, qu'il souffre. Outre donc cette utilité-là, j'espère que cette vidéo vous aura montré à quel point Battle Grid Royale est un jeu cool, malheureusement sous-joué, alors que c'est un jeu qui a énormément de qualité. Il est beau, il est intéressant, il est profond, il est fun. En plus, ça fait un moment que j'y ai pas joué, donc je vais sûrement rejouer pour voir si ils ont changé des choses et tout. J'espère que c'est super cool. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester, de jouer à Battle Grid, même si c'est pas Battle Grid Royale, peut-être Battle Grid. Les mécaniques sont intéressantes et je vous y invite fortement à y jouer. En tout cas, c'était le méthodique, comme d'habitude, sans le bourrin. Il est inutile, autant que ses dégâts sur cette vidéo. A tout de suite.